Nous arrivons donc à un ensemble de feux ici, le feu est vert mais il est vert depuis un moment, alors de quoi vous inquiétez-vous? Lumière changeant en ambre. Oui, donc nous allons vérifier que nous avons dépassé ce point de non-retour que nous l'appelons à nouveau. Beaucoup de ces choses ont été reprises sur le cours en ligne, vous ne vous souviendrez peut-être pas de tout, donc le point de non-retour est quand vous nous approchons d'un feu vert rassis en voici un autre devant nous, nous allons le faire, nous allons prendre une décision en fonction de notre vitesse. La surface de la route qui est sèche aujourd'hui, il fait assez chaud en fait ce qu'il y a derrière nous aussi bien, donc si vous vérifiez ce miroir juste, il y a un camion derrière nous, si nous bloquons les freins et qu'il était trop près, il pourrait nous mettre à l'arrière, imaginez si c'était un camion de transport de 80 000 livres, il a beaucoup plus d'énergie dans le camion si vous deviez l'arrêter correctement, oui, alors oui, nous voulons prendre cela en considération, donc le fait le plus important serait toujours votre vitesse, plus vous allez vite, plus il vous faudra de temps pour vous arrêter. Donc cette lumière changera à chaque seconde. Oui, bien donc tu n'avais même pas encore pris cette décision de non-retour, ce qui signifie que tu sais que nous allons nous arrêter tout de suite, mais nous vérifions toujours notre miroir à chaque fois que ton pied part pour la pause. Vous devriez vérifier ce rétroviseur, oui d'accord, vous devriez le vérifier régulièrement pendant que vous conduisez sur la route, vous devriez le vérifier après avoir pris une nouvelle route, d'accord oui, cela atténue simplement le fait que vous allez obtenir. J'aime toujours dire que c'est un peu comme si vous avez tout pratiqué des sports comme le football ou le hockey ou quelque chose comme ça, c'est avoir ce genre de conscience à 360 degrés, je veux dire que vous n'avez pas besoin de savoir de quelle couleur la personne et les yeux sont derrière ou à côté de vous ou peu importe, mais vous savez qu'il y a quelqu'un dans votre angle mort ou qu'il traverse votre angle mort, ce genre de choses. D'accord, donc vous savez que je pourrais littéralement juste arrêter le temps et je pourrais dire d'accord ce qui se passe autour de vous et vous pouvez dire bien qu'il y a une voiture rouge et il traverse mon angle mort là, il est vous savez ce genre de choses, donc vous avez vraiment une bonne conscience et une fois que vous pouvez faire cela, les changements de voix seront beaucoup plus faciles d'accord si vous regardez vos parents ou quelqu'un faire la voix change et vous vous demandez. Pourquoi ne l'eût-il pas comme moi, je veux dire que c'est le fait que vous savez qu'ils sont très conscients de ce qui se passe autour d'eux et ensuite quand ils vont changer de voix, ils sont juste en quelque sorte double vérifiés, ok. D'accord.